Salut Padawan, bon Skyl et Mich, là on est sur le pitch and putt à Champigny. Ben, je vais vous jouer le pitch and putt et vous montrer un peu ce que c'est comme parcours. Ne pas oublier qu'anti-sky, les moufles. Tiens, secret, comment on joue avec des moufles. Vous allez voir ça. Strickson, un pour moi. Et voilà. Pour un premier petit coup, alors ce trou il fait combien? 45 mètres, allez c'est parti la suite. Alors aujourd'hui, particularité, je vais garder mon gant d'été, sinon je me caille trop et j'ai les doigts gelés, donc je peux pas remettre le gant facilement. C'est pas donné là? Ça donne rien les mecs. Voilà. Allez. Trou 2. Alors paro 1, on arrive au trou 2. Alors il marque 81 mètres, mais on a changé le départ. Il y a à peu près une soixantaine de mètres. Allez, là je vais jouer le 56. C'est parti. Allez. Allez, plein cœur du green, on va essayer de faire nos deux putts comme d'hab. C'est parti. Alors, quand tu la mets sur le green, la balle, deux règles, chercher ton pitch, et deux, essayer de placer le sac vers le départ suivant. Merde, attends, j'ai pas mon relève pitch. Toujours dans la poche, toujours. Oh, il est là, le pitch. Ouh là là, regarde moi ce pitch, là, comme il est beau, là. Attention. Ah! Pose le sac, j'arrive. Ah. Et ben bon, on va pas fêter trop vite. Il y a encore un pitch qui traîne là. Allez, on est à combien là? Ouh là là! Faut que je reste calme, mais moins 1 au trou au départ du 3. Bon, j'espère que j'ai pas trop le nez qui coule. Trou numéro 3. 69 mètres tout droit. Je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est un peu brumeux aujourd'hui. 69 mètres. Normalement, moi, je fais 80 mètres au 56. Donc, on va y aller quasiment à plein 56. Allez! Allez, c'est juste entrée de green. Ah, c'est parti, on va régler ça au putter. Alors, tant qu'on y est, une petite règle au passage, les jeunes padawans du golf. Dès que vous pouvez, faut sortir le putter. Hein. Faut pas aller s'embrouiller à coups de sand wedge levé, machin, pour faire beau. Là, je suis entrée de green. Putter. 10 mètres avant, ça sera putter pareil. Allez, on va voir ce que ça donne. À mon avis, il doit faire moins 1, moins 2 degrés là quand même. Hein. On n'est pas loin là. Hein. Ah. Alors, ah, je vais aller mettre mon sac en direction du départ suivant. Je vais me cailler un peu, je vais courir un peu. C'est pas le mien, mais au passage. Hein. Il y en a d'autres. Allez. Oh, deux putts, ça sera bien.
C'est la folie aujourd'hui, c'est ça les caméras. Allez, on est moins 2 pourvu que ça dure. Trou 3. Ça y est, on est au trou 4, je suis moins 2. 54 mètres, il va pas falloir mollir quand même avec le sandwich. Allez. Alors, depuis le début, c'est la plus proche. Il est fort probable que là, je me mange deux potes. Allez, à tout de suite. Bon, on va déjà poser le sac en direction du trou suivant. Et j'ai vu qu'au passage, il y a un pitch et c'est pas le mien. Oh, vous me forcez à jouer, là, je me caille. Voilà. Bon, maintenant on va chercher mon pitch. Je crois qu'il est beau là. Hop. N'oubliez pas, hein, mes golfeurs, hein. Le lancer de relève pitch est une signature. Hein. Si vous voyez quelqu'un faire ça, c'est probable que ça soit un de mes élèves. Je vais enlever le drapeau parce qu'il est un petit chouille penché aujourd'hui. Tout rentre, c'est peut-être parce que je relève des pitchs, donc le parcours me le rend. Quand on est sympa avec le parcours, il est sympa avec vous. Ah, vite les bouffes, vite les bouffes. Allez, trou 5. Prêt pour faire un bon pitch and putt. Il est, on est quoi, on est le, ah oui, jeudi 5 décembre, 16h48. Alors, on est sur le parcours avec Thomas. Regardez qui bosse derrière, là. Il est là notre log, notre greenkeeper en chef, il a jamais rien le mec, c'est un dingue. Bon bah allez, je vais trouver mon pitch et puis on va tenter le putt. Se rapprocher, c'est bon. Alors, mon pitch, il est où? Oh, il est là. Alors pour ceux qui veulent faire de l'effet rétro, le meilleur secret pour faire de l'effet rétro, c'est de trouver votre pitch. S'il a moins de 3 mètres de votre balle, c'est que vous avez fait de l'effet rétro. Allez, on va se rapprocher. Ah, désolé, il y a un pitch sur ma ligne. C'est pas grave, c'est prévu de putt. Allez, on s'applique. Voilà. Et un petit par. Passons au dernier trou. On est au trou 6, dernier trou du pitch and putt du parc du Tremblay. 39 mètres. Il est handicap 6, donc le trou le plus simple, mais en réalité, c'est pas le cas. Ici, tu te dépasses un peu, c'est balle perdue dans la forêt derrière. Allez, c'est parti. Au 56 encore. Eh ben on a bien sécurisé, on s'est mis milieu de green, on va essayer de faire nos deux potes. Hein. Allez. Alors c'est pas comme Zidane avec la jambe gauche d'abord au golf, c'est d'abord les pitchs, le reste après. On va déjà remercier le terrain. Peut-être que ça va augmenter mes chances de rentrer le putt. Tiens, ça c'est le mien, celui-là. Voilà. Et je putte pour combien là, Thomas, si je moins le rentre 4. Moins 4 si je le rentre. On va jouer le moins 3 gentiment. Hein. On sera pas trop déçu. Si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, c'est pas grave. Ça sera un moins 3. Ah, ça sera un. Ah, attendez, ah, il me le donne pas le Thomas, il me le donne pas. Moins 3 annoncés. Bon, ben, n'hésitez pas, hein, ce petit pitch and putt, c'est génial. C'est vraiment un parcours top pour s'entraîner.
On peut travailler toutes nos attaques de green, toutes les approches. Et vraiment, je trouve cet outil incroyable. Il faudrait que tous les golfs se munissent d'un petit pitch and putt pour pouvoir s'entraîner. Allez, à bientôt. Ciao les gars.